Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous parler de trois événements que j'organise sur la chaîne. Le premier des trois événements est un concours qui va vous permettre de gagner un pass pour l'Indiecade à Paris ce week-end, donc le samedi 18 novembre et le dimanche 19 novembre. Ça va se passer au Conservatoire National des Arts et Métiers. L'Indiecade est un salon donc qui est dédié uniquement aux jeux indépendants. Donc quelque chose qui colle vraiment à la chaîne. J'ai été contacté par les gens de Playdigious qui sont donc le sponsor de l'événement et qui me donnent le pass. Donc vraiment merci à eux, c'est très gentil. Ils ont vu que ma chaîne est dédiée aux jeux indépendants, donc ils m'ont contacté. Ce sont d'ailleurs les développeurs de Evoland et de Mini Metro, deux jeux que j'ai présentés sur la chaîne. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous expliquer comment y participer. Juste une chose avant, si vous ne pouvez pas y aller, donc vous n'êtes pas à Paris, vous n'avez juste pas la possibilité de vous y déplacer pour le week-end, ou si vous n'êtes pas intéressé, bien entendu, ne participez pas, laissez la chance à quelqu'un qui peut en profiter. Alors, pour vous inscrire, il n'y a rien de plus simple, il y a juste à aller sur mon Twitter. Au moment où la vidéo va être postée, vous allez avoir un tweet qui va être dédié à l'événement. Vous allez juste avoir à le retweeter. En le retweetant, vous allez signaler votre intérêt et vous allez rentrer dans la loterie pour gagner le pass. Le gagnant va être choisi au hasard par Playdigious par rapport à ceux qui ont retweeté. Il faut également s'être abonné au Twitter de Playdigious pour également pouvoir en profiter. Vous avez juste ces deux étapes là à faire et c'est bon, vous êtes dans la loterie. Le gagnant va être choisi mercredi à 12h. Vous allez recevoir un pass qui va être personnalisé pour vous et vous allez pouvoir participer à l'événement. Donc à nouveau, merci à Playdigious et j'espère que celui qui va gagner va vraiment pouvoir s'amuser dans le salon. Alors, deuxième chose, ce n'est pas vraiment un événement, mais j'aimerais pas signaler qu'on a dépassé les 69 000 abonnés, donc vraiment... vraiment merci à vous, on approche des 70 000. Aux 70 000, je vais faire une grosse loterie où je vais distribuer pas mal de clés comme j'avais fait aux 60 000. Donc on avance vraiment vite, je suis vraiment content, c'est juste génial. Et là, du coup, je vous invite également à passer sur le groupe Steam pour le deuxième événement donc de la semaine. Le mercredi à 16h, juste après le live, Teko et Bastou, qui sont donc deux de mes modérateurs, vont faire une petite radio-émission donc sur le serveur TeamSpeak. Je vous rappelle que le lien, ou plutôt l'adresse, est ici. Il y a 200 places, il est vraiment disponible pour tout le monde. Vous pouvez y aller pour jouer entre amis ou pour discuter avec la communauté. Donc ils vont faire une petite émission radio pour vous divertir. Vous allez pouvoir y participer d'ailleurs. Donc si vous êtes curieux, venez sur le TeamSpeak après le live. Et dernière chose, ce samedi à 14h, il va y avoir un concours qui va être organisé avec tous les fans. Vous allez pouvoir gagner des clés de jeu d'ailleurs. Ça va se passer sur Master of the Grid, donc un jeu jouable en multijoueur. Vous allez avoir les modérateurs de présence. Ça va se passer une heure avant mon live. Et vous allez pouvoir vous amuser et peut-être gagner des clés. Donc voilà, donc je vous invite à regarder d'ici quelques jours dans la partie événements là pour avoir... tous les détails, ça va être posté je pense dans quelques jours. Vous aurez juste à cliquer là, vous allez avoir les détails. Donc ça se passera à 14h samedi sur TeamSpeak. Voilà, merci à vous, j'espère que ces petits événements, ces petits concours vous plaisent. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.